Madame, Monsieur, bienvenue à votre émission d'information habituelle « Appalaches en quelques mots ». Vous savez sans doute que des élections générales auront lieu au Québec le 3 octobre prochain. Nos trois premières émissions d'Appalaches en quelques mots seront donc consacrées aux cinq candidats qui se feront la lutte dans la circonscription de Loubinière-Frontenac. La semaine dernière, nous avons reçu M. Christian Gauthier du Parti conservateur du Québec et M. Normand Côté du Parti libéral du Québec. Cette semaine, nos invités sont Mme Christine Gilbert du Parti Québec solidaire et Mme Louise Marchand du Parti québécois. Finalement, la semaine prochaine, la semaine du 26 septembre prochain, nous donnerons la parole à Mme Isabelle Lecour, représentante du Parti de la Coalition Avenir Québec et députée sortante de la circonscription de Loubinière-Frontenac. Chacun et chacune des candidates et candidats a droit à une entrevue d'environ 12 minutes, dont les deux dernières pour s'adresser aux électrices et aux électeurs. Donc, cette semaine, place d'abord à Mme Louise Marchand du Parti québécois. Alors, Mme Marchand, bienvenue à nos studios et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, merci de me recevoir, M. Fecteau. Alors, pour le bénéfice des gens qui ne vous connaissent pas, qui est Louise Marchand? Bien, Louise Marchand, c'est une ex-fonctionnaire fédérale. J'ai travaillé 35 ans pour l'Agence canadienne d'inspection des aliments. Je viens tout juste de prendre ma retraite. J'ai étudié en zootechnologie, donc je suis spécialisée dans les aliments du bétail, les semences, les engrais, les pesticides. J'ai vraiment une carrière agricole derrière moi. Donc, j'ai vraiment un domaine très, très spécialisé. Ça, c'est par mon emploi. Sinon, Louise Marchand, bien, c'est une mère de famille. J'ai quatre filles. Ma plus vieille a 36 ans, la petite dernière a 13. Donc, ça fait un grand décalage. Donc, je peux comprendre beaucoup de réalités, autant des réalités des personnes qui viennent de prendre leur retraite, comme moi, que ceux qui ont encore des enfants à la maison. Puis, je suis aussi grand-maman de trois petits-enfants. Donc, je vois aussi mes filles se dépatouiller avec toutes les aléas des jeunes familles. Fait que ça aussi, j'ai quand même un bon bagage là-dedans. Là. J'ai pas mal de vécu à ce niveau-là. Vous êtes résidente de la circonscription? Je suis résidente de Saint-Antoine-de-Tilly depuis 20 ans maintenant. Qu'est-ce qui vous a incité à vous présenter comme candidate ou qu'est-ce qui vous a incité à vous lancer en politique active? Bien, en fait, j'ai déjà été fait du militantisme. J'ai travaillé sur des élections avec deux autres candidats, Annie Thériault à l'époque, quand Loubinière n'était pas avec Frontenac. Là. Donc, Annie Thériault, puis Guy Saint-Pierre, toujours pour le Parti québécois. Puis, au fil du temps, là, comme ça, en prenant ma retraite, c'est quelqu'un de l'exécutif qui est venu cogner à ma porte ou qui m'a appelé, qui a dit « Louise, ça te tente-tu de te présenter? » Puis, c'est sûr que sur le coup, j'ai été surprise un peu parce que ça faisait quand même un petit bout de temps que je n'avais pas milité directement pour le parti. Mais effectivement, en plus, en parlant tout ça, en sachant aussi que Frontenac s'est joint avec Loubinière, moi, je suis quand même une fille qui est native de Val-des-Sources. Bien, pas native, mais je viens d'Asbestos. Donc, je connais les mines, je connais les problématiques. Mon père a toujours travaillé dans les mines toute sa carrière, tout le temps. Donc, c'est ça, je connais l'historique aussi des mines d'amiante. Là. Pourquoi avoir choisi le Parti québécois? Quelles sont les valeurs qui correspondent aux vôtres? Bien, en fait, le Parti québécois, c'est un parti qui est social-démocrate. L'idée de la social-démocratie, c'est en fait de faire en sorte qu'on crée de la richesse pour qu'on ait des services, que les gens puissent avoir des services, donc les moins nantis puissent avoir des services, puis aussi se donner des objectifs là, au niveau de la santé, au niveau de l'éducation, tout ça. Le Parti québécois vient me chercher, mais c'est aussi et surtout pour l'indépendance du Québec.
Si je vous demandais de quelle façon s'est déroulée votre campagne, alors, beaucoup de visites d'entreprises, du porte-à-porte, sur quoi vous avez axé votre campagne? Faites un peu de porte-à-porte, parce qu'en fait, j'ai commencé en pré-campagne autour du mois de mai. Donc, aller voir les gens, faire du financement, tout ça, aller voir les militants de la région. Puis, c'est ça, là, on a fait des réunions, j'ai participé à plusieurs activités. On a préparé aussi le centième anniversaire de naissance de René Lévesque. On a fait deux activités pour cerner ça, une dans Lotbinière puis une dans Frontenac, parce que le comté, mine de rien, est très grand. Fait que pour rassembler les militants des deux parties de la circonscription, c'est ce qu'on a fait. Puis, on a travaillé fort là-dessus. Puis c'est sûr que je suis allée rencontrer tout ce qui est milieu communautaire, les maires. J'ai vraiment travaillé beaucoup avec les gens des MRC, tout ça, là, j'ai fait la tournée aussi. Quelle a été la réception? Les gens sont très, très chaleureux, sont vraiment gentils, là. Ça a été une belle campagne. Puis ça continue, là, il en reste encore presque 2 semaines. Ben oui, au moment où on se parle, il reste un gros 2 semaines. Alors, vous êtes contente de la réception que vous avez reçue Oui, là, de la part les gens sont des gens? ouverts, sont à l'écoute. Puis on entend aussi beaucoup de personnes qui étaient parties à la CAQ qui me disent, ben, on revient au PQ. Okay. Vous avez parlé de la grandeur de la circonscription de Lotbinière-Frontenac. Non seulement c'est très grand, c'est très vaste, mais également aussi ce sont deux pôles complètement différents, là. Alors, quels sont, d'après vous, les dossiers qui seraient prioritaires pour la partie Frontenac? Parce que notre émission s'adresse surtout aux gens du côté de Frontenac. Bien, c'est sûr que, point de vue environnemental, je me suis fait vraiment approcher en lien avec la rivière Bécancour, l'étang Stater, le lac à la truite d'Irlande, puis le lac William, tous les déchets des Halles avec l'eau de ruissellement, finalement, qui se ramassent, les déchets amiantés qui se ramassent dans la rivière Bécancour et l'ensablement des lacs et tout. Fait que ça, c'est un gros dossier pour la région de Thetford, qui inclut aussi les Halles, bien, toute la revalorisation des Halles, peut-être avec en utilisant les minéraux qui s'y trouvent. Ça, c'est vraiment en lien avec l'amiante. Il y a aussi le dossier de la fusion qui a été faite ce printemps à l'hôpital de Thetford, du service de chirurgie puis le côté médical. C'est supposé être temporaire, cette fusion-là. Je pense qu'il faut vérifier, il faut s'assurer que ça soit vraiment temporaire parce qu'il y a vraiment une perte de services de proximité dans la région. Puis il faut vraiment s'assurer là, que les gens puissent avoir des services de qualité, même en région. Fait que la population est vieillissante. Faire du transport, se rendre jusqu'à Lévis pour aller se faire traiter pour une hanche ou quand il y avait les services ici qui étaient existants, je trouve que ça n'a pas de bon sens, là. Il y a aussi, bon, on a parlé tantôt du fameux train là, entre Vallée-Jonction et Thetford Mines, la remise en état là, des rails pour remettre le train en fonction pour transport de marchandises. On parle aussi, évidemment, de Lotbinière. Il y a peut-être un point commun qui nous relie, c'est l'agriculture. Alors, Tout à fait. il y a quand même des agriculteurs d'un côté et de l'autre, peut-être plus du côté de Lotbinière. Alors, je présume que ça, c'est un aspect aussi qui vous interpelle. Ça m'interpelle beaucoup, mais c'est ma spécialité, l'agriculture. Puis, ben, au Parti québécois, la souveraineté alimentaire, c'est vraiment, ça fait partie de la plateforme. Donc, il y a plusieurs incitatifs là, pour faire en sorte qu'on garde nos terres agricoles, s'assurer du dézonage, que ce ne soit pas du dézonage pour faire des grands complexes d'habitation. Donc, il y a tout ça, là, il y a vraiment du travail à faire là-dessus, effectivement, oui. Quels sont les autres dossiers qui vous interpelleraient? On a parlé du train, on a parlé évidemment de toute la problématique qui entoure les résidus. Alors, est-ce qu'il y a d'autres dossiers qui vous interpellent? Bien, c'est sûr que la perte de pouvoir d'achat,
Lié à la pandémie, avec toute la récession, entre guillemets, là, qui s'annonce, on ne sait pas, est-ce qu'on va tomber en récession ou non. C'est sûr qu'on a des choses, je ne dis pas des incitatifs, mais ce sont des allocations qui sont données justement aux moins bien nantis, là, pour ce qui est des gens qui gagnent en bas de 50 000 $ et 80 000 $ là, il y a vraiment une allocation qui est amenée. Il y a toute la notion aussi des CPE. Je pense qu'il y a beaucoup de parents qui ont de la misère, ils ont de la difficulté à se trouver des places en garderie. Avec l'avenue de la CAQ, puis peut-être un peu du laisser-aller des libéraux, le système des CPE en a pris un peu pour son rhume, là. Je pense qu'il faut revenir à la base. Ce qui était le programme initial, c'était un enfant, une place. Au Parti québécois, c'est ce qu'on suggère, un enfant, une place aussi. Vous voyez le restant de la campagne de quelle façon? Bien, c'est sûr que là, j'ai beaucoup de débats qui s'en viennent. Il y a le débat du cégep qui va s'en venir. Il y a le débat aussi de la Chambre de commerce. Il y a des rencontres avec l'UPA. Moi, je continue mes rencontres aussi avec les gens du communautaire, les centres femmes, tout ça, autant de la région de Lobinière que de la région de Thetford. C'est ce qui est difficile dans cette campagne-là, justement, c'est que c'est vraiment quasiment deux comtés dans un. C'est ça, c'est deux réalités. Hein? C'est deux réalités avec des choses similaires de part et d'autre, mais on double le travail finalement. Alors, Mme Marchand, les deux dernières minutes vous appartiennent. Alors, si vous voulez vous adresser à vos électrices et à vos électeurs, ce temps-là est à vous. Bien, merci. Merci, M. Fecteau. En fait, je peux vous aviser que au Parti québécois, on a recentré, les militants ont demandé au chef de recentrer la plateforme sur l'indépendance du Québec. Il y a beaucoup des argents qui sont envoyés au fédéral, qui devraient nous revenir, autant en santé que dans les services sociaux. Puis, on ne voit pas l'heure de ravoir ces montants-là pour pouvoir faire les choix que les Québécois veulent avoir. Donc, notre objectif, nous, en tant que parti indépendantiste, c'est de faire en sorte que les Québécois retrouvent leur fierté, qu'ils aient leur vraie liberté, puis qu'ils assument vraiment qui ils sont pour faire en sorte qu'on conserve aussi le français, parce qu'on le voit aussi, on est en train de perdre la bataille en lien avec l'anglicisation de la partie, tout ce qui est Montréal, tout ce qui est Laval, tout ce qui est la partie de l'Outaouais aussi, on voit vraiment beaucoup d'anglicisation. Fait que c'est sûr et certain que pour nous, le Québec francophone, c'est important. Puis c'est un peu là-dessus là, qu'on va tabler pour les prochaines années. Merci. Alors, Mme Marchand, merci beaucoup de vous être prêtée à cette entrevue. Merci, M. Fecteau. On vous souhaite une bonne fin de campagne. Merci, merci beaucoup. Alors, dans quelques instants, nous accueillons Mme Christine Gilbert, qui est du Québec solidaire. Mme Gilbert, bienvenue dans nos studios. Merci beaucoup de m'accueillir, c'est bien gentil. Merci d'avoir accepté notre invitation. Avec plaisir. Alors, dans un premier temps, pour le bénéfice des gens qui ne connaissent pas Christine Gilbert, alors, est-ce que vous pourriez nous dire qui vous êtes? Oui, donc dans le fond, Christine Gilbert, je viens d'avoir mes 40 ans dernièrement. J'ai travaillé une dizaine d'années en entreprise, donc beaucoup dans les multinationales comme Cascade. À 24 ans, j'étais contrôleur d'une usine justement aux États-Unis déjà. Je travaille dans différents secteurs, là, de l'alimentation, de l'automobile, secteur bancaire aussi. Donc j'ai une assez bonne connaissance là, du secteur privé. Mon père, c'est un entrepreneur de la région, les Arbres Joyeux. Donc, l'agriculture, l'entrepreneuriat, je connais bien ça aussi. Puis, ma curiosité à toujours comprendre comment fonctionne le monde sous les différentes facettes m'a amené à faire un doctorat en comptabilité à l'Université de York à Toronto. Donc, j'ai fait ça dans les dernières années. Et maintenant, je suis professeure agrégée en comptabilité à l'Université Laval. Donc, ça, c'est pour la partie professionnelle. Disons que j'ai pas chômé. Puis, je suis globalement une personne qui est extrêmement humaine.
Donc, de la misère à rester sans bouger quand que je vois des inégalités, de l'injustice, etc. Puis, personnellement, mais je suis aussi très sportive. Je suis une joueuse de hockey. Donc, depuis 5 ans, je joue au hockey sur glace. J'ai joué au collégial aussi quand j'avais 18 ans. Donc, j'aime bien l'action aussi. Alors, vous êtes une personne qui est active. Donc, je vous pose quand même la question, là, mais est-ce que c'est pour vous une première expérience en politique active? Et pourquoi vous êtes lancé en politique active quand on peut s'asseoir tranquillement chez soi? Oui, on est bien chez nous. Hein? Bonne question. Ben oui, c'est la première fois que je me présente comme candidate. Ça fait un certain temps que je suis impliquée auprès de Québec solidaire. C'est la première fois. Dans le fond, moi, mes recherches, justement, m'ont amené à me spécialiser sur la dette comme outil de contrôle des populations, au niveau individuel, au niveau des pays également. Donc, je me suis penchée sur le cas du Québec. J'ai étudié la dette du Québec. Je me disais, ah, c'est une bonne idée, on est tellement endettés au Québec. Et je commence à étudier, je suis comptable de formation, là, dans le fond, pour me rendre compte que non, les niveaux d'endettement au Québec ne sont pas alarmants, qu'on a une bonne situation financière par rapport à différents endroits dans le monde, puis que c'était quelque chose qui était construit pour un peu nous faire accepter les coupures un peu dans les services de santé, d'éducation, dans l'ensemble de nos services publics, et nous laisser penser qu'on n'a pas les moyens de faire la lutte au changement climatique. Donc, à force d'étudier ça, ça venait me chercher, ça venait un peu me fâcher, dans le sens que on a les moyens de faire tout ça. Puis, juste de publier, dans le fond, mes articles de recherche dans des revues scientifiques, c'était comme pas assez. Comme je disais tantôt, j'ai de la misère à rester sans bouger face à l'injustice. Puis, je sentais qu'avec les compétences que j'avais acquises au niveau académique, mes connaissances de l'entreprise privée aussi, que j'avais une contribution là, à faire à ce niveau-là. Donc, ça ne faisait pas partie d'un plan de carrière, ça s'est présenté. Puis, je me sens à ma place là, depuis que je me suis lancée dans la campagne. Et Québec solidaire, les valeurs de ce parti correspondaient aux vôtres? Oui, vraiment. C'est un fit qui est parfait pour moi. Avant de rencontrer Québec solidaire, j'avais de la misère à m'identifier à des partis politiques. Il n'y a rien qui me rejoignait vraiment. Puis, quand je les ai découverts, évidemment, moi, je suis curieuse, donc je suis allée voir l'ensemble du programme. J'ai lu en entier. Puis, je me suis dit, OK, il y a des gens que, dans le fond, leur objectif de vie, c'est de mettre en place cette société-là, où qu'on va être plus solidaire entre nous, qu'on ne trouve pas ça normal que des gens vivent sous le seuil de la pauvreté. Un projet où qu'on considère que c'est avec les services publics qu'on va prendre soin de l'ensemble des gens, de l'ensemble de la population, puis qu'on va aussi s'assurer de laisser une planète qui a du bon sens aussi pour les autres générations. Donc j'ai adhéré. Ça fait plusieurs années là, que je navigue à différents endroits dans le parti. Puis à chaque fois, c'est des belles rencontres, c'est des belles personnes, des personnes avec une belle sensibilité, qui sont empathiques, donc sont toujours en train de penser aux autres avant eux. Donc c'est ça. Donc ça me rejoint énormément. Puis je suis contente de faire partie de l'équipe de Québec solidaire. Là. Est-ce que vous êtes familière avec la circonscription de Lotbinière-Frontenac? Parce que vous résidez dans Lotbinière, mais vous avez quand même un bon pied dans Frontenac. Alors, est-ce que vous connaissez bien la circonscription? Ah ben oui, moi quand je reviens à Thetford, c'est comme revenir chez moi. Dans le fond, oui, j'habite à Saint-Antoine-de-Tilly. Mais ma famille vient de Thetford. Comme je disais tantôt, mon père, c'est un entrepreneur de la région. Ma mère vient de Thetford, a grandi sur la rue Sauvageau. Mon père, Robertson, donc les Gilbert de Robertson. Comme beaucoup de gens de la région, ils ont quitté. Donc, moi, je ne suis pas venue à l'école ici. Mais étant donné la nature du travail de mon père, on revenait ici là, tous les étés, les vacances de Noël. Donc, moi, j'allais à messe à l'église Saint-Alphonse ici, juste à côté du studio. Ma grand-mère, elle habitait aussi juste à côté. Donc, j'ai passé vraiment beaucoup de temps ici en vacances avec la famille, des vacances scolaires. Puis, une fois que j'ai commencé à travailler, évidemment, on commence à travailler tôt quand on a un père entrepreneur. Donc, j'étais beaucoup ici pour travailler là, sur les terres, dans l'agriculture, etc. Donc, quand je reviens à Thetford, pour moi, c'est comme revenir à la maison. Je trouve ça beau aussi de voir le centre-ville qui, petit à petit, a quand même plus de vie. Je me rappelle quand j'étais adolescente, comme justement ma grand-mère, elle habitait à côté, je trouvais ça un peu plus mort. Là, maintenant, je vois un regain. Donc, je trouve ça beau. Je trouve ça beau aussi de voir un retour des jeunes. Parce que pendant longtemps, on pensait que juste que la population allait toujours descendre.
Puis là, actuellement, ce qu'on assiste, c'est un retour des jeunes, fait qu'un dynamisme aussi dans la région. Puis ça, je trouve ça beau, puis j'espère encourager ça. Puis une députée solidaire, ce serait bien aussi pour favoriser toujours mieux ça. Quels sont les dossiers que vous jugez prioritaires, particulièrement pour la partie de Frontenac? Bien évidemment, puis ça, je pense que toutes les oppositions, on en parle beaucoup. C'est l'hôpital de Thetford. C'est un bel hôpital avec plein de services, puis petit à petit, ça quitte pour Saint-Georges, pour Lévis, une population vieillissante. Donc, je pense que ça, c'est une grosse priorité, c'est un chantier important. Hier, Gabriel Nadeau-Dubois était à Thetford Mines de passage pour la campagne, comme on a une bonne campagne actuellement. Il est venu nous voir, puis lui-même a pris parole par rapport à ça, par rapport à l'hôpital, puis l'importance de garder les services. Je pense que les gens sont extrêmement préoccupés par ça. À ça, on veut ajouter aussi un accès à la santé, des soins de santé à travers les CLSC. Donc, on veut remettre davantage de spécialistes, des médecins, un peu comme dans le temps, dans le fond. Donc, revaloriser les CLSC ouverts 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Puis, donc, avoir aussi les soins dentaires et les soins de la santé mentale, ça, c'est aussi une priorité. Beaucoup de gens n'ont pas accès à ces soins-là s'ils n'ont pas une bonne job avec des bonnes assurances. Fait que ça, c'est une priorité. On parlait aussi beaucoup, quand je fais du porte-à-porte, je fais beaucoup de porte-à-porte dans la région, le coût de la vie. Donc, il y a beaucoup de gens qui ont de la misère à boucler le budget actuellement. Donc ça, c'est un gros enjeu. Moi, je fais partie de l'équipe économique de Québec solidaire, donc je travaille aussi sur les propositions directement pour aider concrètement les gens, puis rapidement aussi. Donc, des retours d'impôts, ça arrive l'année prochaine. Donc, ceux qui en ont vraiment besoin, qui n'arrivent pas à payer leur épicerie, bien, c'est beaucoup trop tard, en fait, l'année prochaine. Donc, pour ça, nos mesures sont très immédiates. Donc, immédiates et temporaires, parce qu'on ne veut pas non plus limiter les capacités de l'État de pouvoir donner les services aux gens. On a aussi, bon, le transport collectif, qui est très important. Une ville de 25 000 habitants, et puis, on a des services qui sont assez limités au niveau de transport en commun. Pas par un manque de volonté, évidemment, des gens de la place, mais par un manque de financement du gouvernement du Québec. Donc, c'est sûr que pour nous, c'est une grosse priorité d'offrir cette alternative-là. Les gens en demandent. Quand je demande c'est quoi les priorités aux gens, ils me parlent du transport en commun. Les aînés, les plus jeunes, les familles. Donc, on aura toujours besoin d'une voiture, souvent en région, mais évidemment, d'avoir des options, des alternatives. Donc, nous, on a un beau plan, en fait, un plan très ambitieux, très rigoureux là, pour pouvoir adresser ça également. Rapidement, en une minute peut-être, le retour du train et la valorisation des résidus miniers, ce sont des dossiers qui vous interpellent? Oui, bien le train justement, nous on ne veut pas, tu sais le train c'est une demande beaucoup des entrepreneurs, parce que pour avoir accès à certains contrats, ils doivent limiter les émissions de GES. Donc c'est vraiment quelque chose qu'on doit globalement s'y attaquer. Donc nous on veut mettre des lignes de train, mais partout, ou qu'il y a une population plus dense, là, évidemment, pour aller rejoindre les sections plus dans le nord, ça va être des autobus. Donc oui, c'est une priorité, mais on va aussi relier Thetford à Québec, mais Thetford avec Sherbrooke également. Puis donc ça fait partie de nos chantiers qui est majeur, dans le fond, de réduire, parce que le transport, c'est 43 % des GES. Donc on doit l'adresser avec un plan qui est ambitieux. Puis oui, les résidus miniers, amianté, c'est un enjeu qui est extrêmement important, qui a différents volets. Hein. Il y a la revalorisation qui est importante. Il y a aussi la problématique du passif par rapport à ça. Donc, à chaque fois qu'on fait des constructions de routes, donc là, il y a de l'amiante. C'est des coûts supplémentaires aussi. Donc, tout l'argent qui est utilisé pour le budget de la ville pour relier au passif minier, bien, on ne l'a pas pour faire d'autres choses. Donc, ça, c'est un enjeu important. Il y a l'enjeu au niveau de l'environnement, au niveau des lacs à la truite d'Irlande et les lacs aussi par la suite. Donc, les résidus, en fait, amiantés qui vont dans la Bécancour et qui sont en train là, de causer la mort des lacs aussi, qui est aussi un enjeu important. Donc, il y a différents volets, puis c'est sûr que ça fait partie des priorités, mais de le prendre dans son ensemble, puis de régler chacun de ces points-là. Madame Gilbert, il vous reste une minute et demie pour vous adresser à vos électrices et à vos électeurs. Parfait. Donc, bonjour tout le monde. J'espère que vous avez appris à mieux me connaître avec cette entrevue de Nelson. Ça a été un plaisir d'être ici. Donc, comme je disais, moi, je tiens à la circonscription me tient énormément à cœur. Je connais les deux parties, ce qui permet d'avoir une vision d'ensemble des différents enjeux. Je suis une personne qui est extrêmement empathique, facile d'accès. Je pense que j'en ai rencontré déjà beaucoup de vous dans les différentes activités.
Puis, je vous invite à aller sur mon site christinegilbert.ca pour aller voir mon vidéo de campagne et en apprendre aussi toujours plus sur moi. Puis, contactez-moi. On est au besoin si vous avez des questions. Et notre local de campagne est au 120 Notre-Dame-Ouest. Donc, vous pouvez aussi passer nous voir, puis on peut discuter. Québec solidaire, on a vraiment un beau projet de société avec des belles valeurs. Puis, je pense qu'on aurait intérêt à avoir un Québec qui ressemble toujours plus aux valeurs solidaires. Donc, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé l'entrevue, puis au plaisir de vous rencontrer bientôt. Alors, c'est à mon tour de vous remercier de vous être prêté à cette entrevue, puis je vous souhaite une excellente fin de campagne. Merci, vous êtes bien gentil. Alors, voilà, c'est ce qui met un terme à notre émission Appalaches en quelques mots cette semaine. C'est Nelson Fecteau qui vous remercie d'avoir été des nôtres. Je vous invite à être là la semaine prochaine pour une autre émission semblable. À toutes et à tous, une excellente semaine. Prenez soin de vous, prenez soin des vôtres.